écoutons la parole que l'Église nous donne aujourd'hui. L'Église, notre meilleure mère, qui sait élever l'âme et la faire grandir, comme écrivait sainte Sœur Faustine. Les foules lui demandaient « Que devons-nous donc faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a deux vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort et contentez-vous de votre solde. » Or, le peuple était en attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous « Moi, je vous baptise avec de l'eau. Mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire, abattre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Jésus s'adressait à sainte Sœur Faustine. « Secrétaire de ma miséricorde, écris, parle aux âmes de ma grande miséricorde, car ce jour terrible, le jour de ma justice, est proche. » Sainte Faustine répondait fidèlement à cet appel urgent de Jésus. « Ô mon Jésus, chacun de tes saints reflète l'une de tes vertus. Moi, je désire refléter ton cœur compatissant et plein de miséricorde. Je veux le glorifier. Que ta miséricorde, ô Jésus, soit imprimée dans mon cœur et dans mon âme comme un sceau. Et ce sera là mon emblème dans cette vie et dans l'éternité. Glorifier ta miséricorde est l'unique but de ma vie. La miséricorde est le couronnement de tes œuvres. Tu pourvois à tout avec amour, comme la mère la plus tendre. » Quelle vertu de Dieu je désirerais refléter dans mon cœur? Est-ce que j'ai un désir de glorifier la divine miséricorde, cet amour inconcevable de Dieu qui me soulève de chaque mal, de mon péché, de ma faiblesse? Jésus a confiance en moi et me dit de parler aux âmes de sa grande miséricorde, car le jour terrible, le jour de sa justice est proche. Cette attente de l'avant doit me rappeler avant tout de l'attente de la seconde venue de Jésus, quand il viendra, non comme sauveur miséricordieux, mais comme un juste juge. Tant qu'il en est le temps, les portes de la miséricorde sont ouvertes à la volée pour chacun.
Jésus désire afin que tout le monde connaisse sa bonté et sa miséricorde. Je vais demander à l'Esprit Saint de quelle manière je peux aujourd'hui répondre à Jésus, à son invitation, pour parler aux âmes de cette grande miséricorde. À qui le Seigneur m'envoie-t-il ? Ô Saint-Esprit, conduis-moi en ce temps d'attente et de préparation de mon cœur à la nativité de Jésus, à sa venue ultime. Verse dans mon cœur un désir de sauver les âmes, afin que le plus grand nombre de gens puissent expérimenter la divine miséricorde à travers mes actes, mes paroles et ma prière. Montre-moi où tu veux m'envoyer, à qui je dois dire aujourd'hui comment il est aimé par Dieu et attendu à la maison du Père. Conduis-moi, ô Saint-Esprit, je me soumets à ton action en moi et à travers moi. Je te glorifie en ta présence silencieuse, mais toute puissance dans ma vie. La Sainte Vierge Marie, ma Mère, toi qui répondais fidèlement à Dieu, à chaque son désir envers toi, ta vie est un fiat incessant. Enseigne-moi une telle confiance et l'abandon à mon Seigneur qui va venir. Ensemble avec toi, Sainte Sœur Faustine, je prie le Seigneur. Que ta miséricorde, ô Jésus, soit imprimée dans mon âme et dans mon cœur comme un sceau. Jésus, j'ai confiance en toi.